tous en tenue noire, symbole de leur indignation, les étudiants de l'Université Lumière du Burundi qui venaient d'inaugurer le nouveau département de génie civil dans son campus situé à Mutanga sont déçus de la fermeture soudaine après seulement 10 mois d'études. Maintenant que 35 jours viennent de s'écouler, après que le ministre de l'Enseignement supérieur ait pris une mesure de fermeture temporaire de ce département, les étudiants sont au bout de patience et ont entamé un mouvement de grève pour faire la pression au rectorat de l'Université Lumière du Burundi et arrivent à empêcher leurs condisciples des autres facultés de vaquer à leurs activités. Ces étudiants à qui le ministère a proposé soit d'attendre l'autorisation officielle du ministère ou d'être transférés dans d'autres universités se disent déçus d'entendre cette deuxième option. Ça, c'est inadmissible pour nous et c'est décevant de la part d'une université pareille qui était, je dirais, une université modèle, oui. Et de notre part, c'est décevant, franchement. Le recteur de l'Université Lumière, qui ne s'attendait pas à cette mesure ministérielle, dit qu'en quelque sorte, ils ont été piégés par une forte sollicitation des étudiants et ont été obligés de devancer la procédure normale. Permettez que je le dise ainsi. Nous sommes tombés dans un piège. Le piège dont je vous parle ici, c'est que habituellement, il y avait quelque chose qui était devenu comme une habitude. Des universités introduisaient des demandes d'ouverture et que ça prenait beaucoup de temps avant qu'elles n'aient de réponse par rapport à leurs demandes. On s'est toujours retrouvé avec des universités qui ouvraient des portes. Et malheureusement, on est tombé dans ce panneau-là, on est tombé dans ce piège. L'habitude ici n'a pas fait loi. Une demande d'autorisation faite par l'URB au ministère de tutelle tarde d'aboutir, mais le recteur se réjouit de l'entretien qu'il a fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui se dit prêt à accélérer le processus d'autorisation tout en suggérant des voies de sortie. Soit de faire comprendre à ses étudiants d'attendre l'autorisation ou bien les transférer dans d'autres universités. Le recteur qui sollicite les étudiants en grève de privilégier la voie de dialogue et aussi pour la voie d'accélérer le processus d'autorisation et de garder les étudiants. C'est même la voie visiblement privilégiée pour les étudiants étant donné qu'ils ont rejeté la deuxième voie. Et nous aussi, on aimerait effectivement qu'on aille dans le sens d'avoir une autorisation officielle d'ouvrir ce département de génie civil. Donc, aux étudiants, nous leur demanderons surtout d'accepter, de dialoguer. Vous saurez qu'une réunion du rectorat avec les représentants des étudiants en grève ce jeudi a accouché d'une souris. Le mouvement de grève va continuer.